Ah oh. Je rigole pas. La vie de ma mère, je rigole pas. C'est qui, wesh? Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Dégage de là! On est pas en sécurité, on est dans la tente, t'es con, quoi. Bon, les refs, ce soir, on va dormir ici. Venez, on traverse, à vous, je fais de gaz, que ça a un rond-point, en fait, à vous, si vous avez pas cramé. Premièrement, il y a une tente. Tiens, tu vas dormir là-dessus cette nuit. Tu vas dormir là-dessus cette nuit. On n'a pas demandé à la mairie ou quoi de faire ça. Donc, à tout moment. Génial, j'ai vraiment fait une bonne. Je sais pas, juste un accident de voiture. Une voiture qui se casse à gueule, ouais. Regardez sur nous. Pour vous montrer un peu, là où comparé on est. À nous, là où on est et comment c'est. Première étape, la tente. Monter la tente. Il y a le budget, j'ai acheté une tente 5 secondes. Regardez, 1, 2, 3. Oh là là. Allez, vas-y, bah faites quelque chose, je sais pas, je me suis déjà fait piquer, putain. Voilà. Les gars, vraiment, je pense pas que la tente, elle va aller si haut. Putain, il y a une voiture de flic. Jure. C'est faux. Mais gros, comment c'est possible d'avoir un truc aussi dur? Ça, c'est à prends le bout avec moi. Ah, ok, 3, faut accrocher ça. Voilà, putain, mais vraiment qu'il y a un ingénieur. Arrête. Et voilà, là, ça ressemble à quelque chose. Il y a 10 secondes, on est trop fort. Et ben voilà, c'est pas si compliqué de monter une tente Décathlon niveau 2. Alors, on s'est trompé. Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne expérience entre copains de se découvrir dans la nature. De faire des choses bien. Il y a un mec là-haut, il regarde la vidéo YouTube en avant-première. Ouais, par contre, alors juste, faut que je lui dise, frérot, par contre, mais là, on aurait partoyé, t'as compris? On vous a pas dit, on va commander Uber Eats, ce mec, il va dire, mais vous êtes où? Il va tourner autour, on va le voir. On a presque fini la tente. Il manque juste à mettre le truc par-dessus, faut que l'entrée corresponde avec l'entrée. On fera plein de photos, on verra. Pourquoi j'explique comment faire une tente? Les gens, ils sont bêtes les couilles. Moi, je dis, je félicite Seigar et même Raph. Vous avez géré pour la tente, les gars. Mais j'ai rien fait. Je suis déjà fatigué de cette vidéo. Bon, regarde ça. Attends, maintenant, test de la tente. Est-ce qu'elle est agréable ou pas? Oh, mec! Ah, en vrai, pas mal. Hein. Je vous dis, j'annonce, je me mets sur le côté droit. Moi, je m'annonce, je me mets sur le côté. Pouvoir vous branler les deux en une main. Ah, mais il peut nous filmer lui! Oh, les gars, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup remarqué quand même déjà. Moi, je vais aménager celui-là pour la décoration et l'aspect confort. Alors, ça se voit que t'es un bon décorateur, surtout vu les couleurs. Oui, oui, ta mère. En plus, l'épaisseur elle est incroyable, vraiment. Avec ça, tu dors bien. En gros, j'ai envie de faire un nouveau concept avec ça, avec cette même tente à chaque fois, on va la transporter partout. C'est à vous de me dire dans les commentaires quel autre endroit insolite vous voulez qu'on aille avec cette tente là. Et toujours, ça serait avec les guignols. CR et Raph, ça va être toujours le concept à 3. Et à chaque fois, on va aller quelque part. Genre, par exemple, le prochain endroit, par exemple, je sais pas, aller dormir devant une police municipale. Je sais pas, par exemple. Comme ça, le trajet pour aller en garde à vue, il sera plus court. Donnez-nous des idées dans les commentaires. Et l'idée la plus likée ou la plus stylée, on la prendra pour le prochain épisode. Mais montrez que vous aimez bien cet épisode. Hein. Commentez, partagez. Parce que les gars, je pense que ça peut être vraiment cool. Les refs, depuis tout à l'heure, on entend des bruits bizarres là-dedans. Là. J'ai très peur parce qu'on est vraiment entre ces trucs là en fait. Ça fait très très peur. J'ai vu un moustique dans la tank. Non. Dans la tente. Non, sérieux, c'est vrai ou pas? La vie de ma mère. Il est sur la lumière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander un petit Uber Eats. Peut-être ça va être marrant. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe, wesh? Vous êtes sur un rond-point, les gars? Ou juste, il va se dire, bah les couilles. J'en peux plus, je me déshabille. Non, c'est le pire truc à faire. On garde son calme. Gardez vos chaussures. Ça aussi. Va aller. Ouais. Bon, venez, on va commander dehors, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Allez, vas-y. Direz, bon. Tu dis, par contre, on est. Allô? Bonjour. Sur le rond-point. Pas de bâtiment. Est-ce que vous avez vu le rond-point avec la porte japonaise? Il n'y a pas de numéro, on est sur le rond-point. Ouais, on est sur le rond-point exactement. On n'a pas du tout le bon livreur. Il est vénère en mode, ouais mais t'es où, demande le numéro? Oh le malaise. Dis-lui vraiment, allô, sur le rond-point. Je crois qu'on est derrière vous sur le rond-point exactement. Il est ultra vénère. Ultra vénère, mec. Ouais. Waouh. Yes, merci. Merci. Ah, ça fout la haine. Oh. Mec, vraiment en mode ghetto, en mode viens, venez là. Oh. Frère, je cherche ta commande. Vraiment, je me suis pris comme un gamin là, vraiment gros. En vrai, on pensait tomber sur un mec cool, marrant et tout. Là, j'ai vu que ça sert à rien de lui dire ah non, viens, on a pas droit, y'a de l'eau. Jamais de la vie, je lui dis ça, t'es fou, mec. Est-ce que je dis j'ai pas reçu ma commande? Ouais. Il va revenir ici, il va nous goumer, frère. Enculé, gros. J'ai clairement entendu le bruit qui était vraiment là. Oui. Du coup, ça c'est quoi? C'est pour allumer le feu? Ouais. En gros. Est-ce que c'est le même truc que Inox il avait dans sa vidéo? Ouais. Ça, je l'ai appris quand j'étais à la télé-réalité de Body Time. T'étais en survie pour perdre du poids? Non, mais moi, on a vraiment dormi dehors. En plus, ils nous ont fait un prank. Ils ont trop bien réussi, j'ai eu trop peur. Ils ont mis une enceinte dans les. Bah, comme si tu étais dans les feuilles là. Sauter dessus, tu vois. Là, t'es comme ça, là tu fais. Ouais. Oh! Oh mec! Je veux absolument essayer ce même. On va acheter regardez, des petits chamallows et on va essayer de les faire fondre dans le feu. Oh!
9, 8, 7. Ah! Non. Non. T'as pu me mettre dans le feu que ça. Ouais, ouais, voilà, fort, fort, tu vas fort. Ouais. Oh. Oh. Non, mais pourquoi t'as bougé? Allez, vas-y. Oh, oh, oui, oui, oui. Oh, mec, vite, mettez les feuilles, mettez les feuilles. Enculé, ton briquet, fils de... Il a fondu, gros. Mais con, quoi. J'ai jamais mangé un chamallow comme ça. Quoi. Il a fondu. Alors, le feu, ça fait fondre les trucs, gros. J'ai une goutte de pluie. Ah ouais? Hein? Alors quelqu'un qui m'a craché dessus. Non, pas possible, moi j'étais en train de tomber donc. Il commence à pleuvoir les mecs. Oh, oui, j'ai reçu une goutte. Non. La vie de ma mère, il a raison. La vie de ma mère, la vie. Oh, de... T'as vu moi là encore? Les gars, on va se prendre la flotte. Pour combien vous mangez? On a pas beaucoup d'eau. Les gars. Ouais, il pleut de fou. Eh, merci qui? Merci la tante. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon. Attends. Les petits oreillers. T'as du sperme ou du marshmallow fondu? C'est rapide. Mais oui, je crois qu'il y a des gens. Oh, attends, t'as eu. Ça c'est... Il a pas vraiment moyen, mec. Ah! Ta mère, fils de... J'ai vraiment eu un cri de petite fille, gros. T'es un bâtard, wesh. Ah! Arrête de faire ça, frère, la vie de ma mère. Derrière moi, je... Arrêtez! C'est la branche, c'est la branche. Mais... Yaro, moi, je suis sur ces Yaro. Oh, Yaro, je suis sur ces Yaro. Mais j'ai pensé à tout pour le soir. Je me suis permis de prendre... une capote. Vous êtes bien? Ta gueule, il y en a qui dort là. Les gars, vous êtes bien là? Non, je suis pas bien. En fait, je suis bien, ça va. J'ai un peu mal au dos, c'est juste que je suis pas en confiance. C'est dur. Les gars, faites pas genre, on dort pas. Les gars, il fait trop chaud, faites pas genre, wesh. Les gars, regarde. J'essaye de dormir. Des acteurs, wesh, les gars, des acteurs, wesh. Ah, let's go! Bon. Ta gueule! Non, non, la vie de ma mère. Non. La vie de mon chat. Non, non, arrêtez! Non, les gars, attendez! On ouvre pas ou j'ai des fous, frère! La vie de ma mère. Mais c'est toi! La vie de ma mère. En tout, je rigole pas. Sérieux? La vie de ma mère, je rigole pas, gros. Mets tes chaussures. Ouais, non, les gars, on bouge pas! La vie de ma mère, on va bouger. Des fous. Attendez. C'est qui, wesh? Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Dégage de là! Wesh. C'est beau, ça. C'est gros, c'est qui, nous? Mais non, y'a personne, c'est le vent, c'est la feuille. Y'a personne, c'est pas les branches, gros? Non, c'est une bouteille en bière. Ouais. Vous êtes des gars moches. La vie de ma mère, mais non. Sérieux? Arrête, j'ai peur qu'il y ait une tête qui arrive. On est pas en sécurité, on est dans la tombe, t'es cool ou quoi? Attends, frérot, attends. On fait comme on tourne bien, on essaie de se remettre. Quel strat, frère? Il nous entend, t'es cool ou quoi? Plus on reste, plus on est des victimes, gros. Viens, on sort là, je rigole pas. C'est quoi? Wesh, Enzi. Mais c'est le vent peut-être, non? Quel vent, t'es quoi? Gros, j'ai reçu la bouteille à côté de ma tête. Tu l'as pris à côté de ta tête. Attendez-moi les gars. Antoine, c'était toi. Tu sais que t'es vraiment... Antoine, c'était toi. C'était toi. Moi, ouais. T'es une salope. Ok les gars, il est 2h30 du matin, je sais sur quel rond-point ils sont. Je vais y aller, je vais taper dans la tente, je vais faire du bruit. Ils vont se chier dessus. Ok les gars, je suis un ouf, j'ai filmé, il y avait le flash. Donc là, nickel. Mais ils ont pas réagi. J'ai pas compris. Ils rigolent. C'était ouf. Genre, c'est ça dans la gueule. Tout à l'heure, devant, j'ai carrément jeté une pierre sur la tente. Allez, let's go! Je suis trop content. C'est pour ça, mec, j'étais serein. Tu savais pas que je rigolais? Eh, je me suis perdu, je me suis trompé de rond-point. C'était la vie de ma mère que je voulais démarrer, gros. C'est pour ça que j'ai dit attends, je sors ma cam, mec. Seyar, grosse couille. Parce qu'il était pas au courant. Et mec, pendant que toi t'étais en mode de essayer de stopper le truc parce que tu savais, Seyar, mais de toute façon, rester dedans, c'est pire, où ils peuvent mettre des coups et tout ça, ou t'es mort. C'est pour ça que je comprenais pas. Je disais, mec, vous restez pas à l'intérieur. Parce que je savais que si vous sortiez, c'est le prank était mort. Ça, j'étais dégoûté quand tu voulais sortir. Oh le bâtard. J'ai plus des pieds dans la tente, c'est horrible. Avec un mot pour cette expérience. 1h30. Parce que j'ai dormi 1h30. C'est un mot pour cette expérience.
Je m'en lis. Moi je dirais ronfleur. Ah ouais, par contre, le fils de qui a ronflé toute la night là, je sais pas qui c'est là. Oh, il pleut fort par contre. Hein. Ouh, ça fait du bien de sortir. Wow. Il est sorti comme dans une boîte de nuit. On pouvait pas mieux finir ce petit. Du coup, si je vidéo. Ouais, on aurait pu se réveiller avec un soleil tapant, ça aurait été pire. Ta mère. Bah oui, imagine le soleil, il aurait tapé sur la tente, mec. Waouh. Wow. Franchement, à vous de me dire le prochain endroit dans les commentaires, un endroit encore plus fou, s'il vous plaît. Bon, mec, j'ai une idée pour le deuxième épisode. C'est quoi? Mec, un hôtel 5 étoiles. Oh, comment ça, tu galères. Allez, à vous de me dire. Bisous.